Premier va-et-ne des vacances, on est à Los Angeles, villa de rêve de folie. On est avec tous les copains, ils sont là. Oh mon Dieu! Allô, allô? C'est terrible! Non, moi c'est Gonagan! Il faut que vous veniez m'aider, inspecteur! Enfin, mais qu'est-ce qui se passe, Johnson? Mais ils sont tous morts! Je crois que tous mes collègues youtubeurs sont morts! Mais calmez-vous, mon vieux! Vous êtes où, en fait? À Los Angeles! Qu'est-ce que vous foutez là-bas? C'est incroyable! Bon, écoutez, ne touchez à rien, restez où vous êtes, j'arrive tout de suite! J'arrive tout de suite! Quel bordel! Bon, encore une belle enquête pour l'inspecteur Gonagan! C'est pas Los Angeles, là. Oh merde! C'est qui m'a foutu ces bandes noires ici? Par ici! Inspecteur, ici! Qu'est-ce qui s'est passé ici, Johnson? C'est un véritable carnage! Mais j'en sais rien, j'étais là, c'est les vacances, j'ai sorti ma petite chemise à moyenne, il y avait tous les youtubeurs et ils sont tous morts! Non, moi ça me semble évident, Johnson, c'est vous qui les avez tous tués! Quoi? Vous êtes un sacré psychopathe, Johnson, venez par ici! La loi, Johnson, je vous arrête! Non, mon petit doigt il est cassé, attention! Alors, qu'est-ce qu'on a? Câble électrique, électrocuté, chips, tennisman, balle de tennis, explosion... Tous les éléments pointent vers vous, vous êtes coupable, Johnson! Je sais que tous les éléments sont contre moi, Gonagan, mais laissez-moi une chance au moins! C'est vrai que vous m'avez aidé lors de la dernière enquête, je l'oublie pas. Mais si vous êtes foutu de moi, ce sera direction la casse-prison. Vous avez bien compris, Johnson, et vous savez ce qui se passe en prison? Non, je sais pas. Vous serez constamment violé. Non! Violé... Non! Bon, Johnson, expliquez-moi ce bordel! Je suis arrivé il y a deux jours avec ce groupe de youtubeurs. Je vais aller au salon de la saucisse pour faire des vidéos. Le salon de la saucisse? Yes, The Sausage Convention of Los Angeles. Je vais faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai vu votre vidéo sur le pack de merguez à 3,99$, elle était pas mal, je me suis abonné. Un bon tuto, ouais. Bon, dites-moi plus sur les victimes. Lui, c'est Cal Vlogo, le plus gros vlogueur français. Il a fait des millions de vues avec sa vidéo Les vrais salaires des youtubeurs. Ah oui, je l'ai vu, ouais. C'était le meilleur, mais il s'est fait pas mal d'ennemis sur la toile, notamment Exploseman, le plus grand vidéaste français ici présent. C'est quelle victime? C'est celui qui a explosé. Ironie du sort quand on fait des unboxings de colis piégés, non? Salut à tous, c'est Exploseman, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un colis trouvé dans le métro. Je suis super content parce que ça a l'air d'être une édition super rare. Et c'est parti, on va l'ouvrir directement. La personne qui était avec lui sur le cours de tennis, c'est Panzani du 73, le pire youtubeur de cuisine. Le mec, pas foutu de finir une seule recette. Vous savez c'est quoi sa plus grande réussite? Non. Les pâtes à l'eau. Il arrive à faire des vues avec des recettes de pâtes à l'eau? Inspecteur, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne savent pas faire de pâtes à l'eau. C'est compliqué quand même. On se retrouve après 30 minutes de cuisson pour l'essorage des pâtes. Alors, hop, voilà. Je crois qu'elles sont prêtes, donc on va pouvoir les déguster. Mais vous savez, il vivait aussi dans l'ombre de Grosse Bouffe Cuisine, qui a le compte Instagram de cuisine le plus suivi au monde. C'est aussi l'ancien frère siamois de Cal Vlogo. Ils ont commencé ensemble et... ils se sont séparés, littéralement. Ils ont chacun fait leur chaîne de leur côté. Boum les gens! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on est parti pour une séance de... muscu! Aujourd'hui, c'est les biceps! Allez, c'est parti! Motivation chez vous, motivation! Hop. Ça a l'air d'être un sacré bordel votre truc. Bon, on récapitule. D'après le Vine, c'est Cal Vlogo qui est d'abord tombé dans la piscine, c'est ça? C'est ça, exactement. Il était en train de faire un vlog. Après, il filme 25 heures sur 24, il faut dire. Donc s'il y a bien un endroit où on peut trouver des indices, c'est... c'est le Centre National des Indices des Enquêtes Difficiles de Sydney. On y va! Alors non. Moi, je pensais plus à sa caméra, en fait. Ah oui, si, ça marche aussi, mais ça coûtera moins cher. Voilà sa caméra. Salut les potes, petit vlog en direct. Attendez, passez la vidéo au ralenti. Regardez là! Un allume-feu électrique. Oh putain, je suis rassuré. Ah ouais, non, là j'étais pas bien. J'ai branché ma sono hier, du coup il y a les câbles, ils passaient dans la piscine. Je me suis dit, le mec il est tombé. Tac, il a pris les câbles, il s'est fait électrocuter par ma faute. Mais non, c'est l'allume-feu électrique qui l'a tué, je sais pas. Allez, trompez-vous, il s'est bien fait électrocuter par vos câbles, mais il s'est fait électrocuter une deuxième fois à cause de cet allume-feu électrique. Regardez, c'est un 24 000 volts. Avec ça, on peut buter un cheval à au moins 5 km, regardez. Oula. Attendez une minute. J'ai déjà vu cet allume-feu quelque part. Je suis sûr même. Oh mon Dieu, regardez! Un allume-feu électrique. Le meurtrier, c'est Grosse Bouffe Cuisine. Attendez, je comprends pas. Si c'est le meurtrier, pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui nous dit qu'il est mort?
Bah je sais pas, peut-être les 3 litres de sang autour de lui, non? Allez, parle! Pourquoi tu les as tués? Pourquoi tu les as tués? Il est mort, Johnson, il est mort, vous voyez bien. Mais non, il est pas mort. C'est moi le méchant youtubeur, je fais des vues, je suis le coupable, j'ai tué tout le monde. Arrêtez, Johnson, arrêtez ça tout de suite! Je vais faire une autopsie, on va voir ce qui lui est arrivé. C'est bien ce que je pensais, c'est du bicarbonate de prostate, caché dans le ketchup. Oh, fais chier, j'allais le dire. Il a donc bien été empoisonné, mais par qui? Attendez, inspecteur, regardez cette photo de grosse bouffe cuisine. On dirait bien qu'il y a une nouille sur le bras. Vous pensez à ce que je pense? Oui, totalement. Angelo di Lustucru. Ça fait 20 ans que je le traque, ce fils de pute. Le tueur à la nouille molle. Mais non, je parlais du joueur du tennis, Panzani du 73. Le youtubeur qui fait des pâtes. Je suis un peu déçu, là. C'est lui, c'est évident. Il détestait grosse bouffe cuisine. Il l'a empoisonné. Ah, comment ça se fait qu'il est mort, alors? Il s'est pris une balle de tennis. Vous savez, un grand smash et ça ne pardonne pas. Attendez, mais on meurt pas d'une balle de tennis, je suis désolé. Oh, regardez cette cacahuète. Étrange quand on sait que cette plante de la famille des Fabacées pousse essentiellement en Chine. Regardez, inspecteur, la balle de tennis qui l'a tué. Du beurre de cacahuète. Si je me souviens bien, sur sa page Facebook, c'était écrit qu'il était allergique aux cacahuètes. Étrange. C'est donc clairement un meurtre par choc anaphylactique, ouais, inspecteur. C'est ça. Bon, en prenant en compte l'analyse balistique, la direction du vent, l'angle de tir et les traînées de beurre de cacahuète un petit peu partout, la balle ne pouvait venir que d'un seul endroit, Johnson. Un seul endroit. L'autre côté du terrain. C'est donc Exploseman, le tueur. Ouais, et ben comptez pas sur moi pour recoller les morceaux. Écoutez, inspecteur, regardons le vaille une deuxième fois, c'est pas possible, on a forcément raté un indice. Ouais. Là, cette femme, elle est suspecte. Elle a rien de suspect, cette femme. Ouais, non, c'est parce que je voulais lui poser des questions pour l'interroger. C'est vrai qu'elle a des gros tétés. Mais gros melon. Premier vaine des vacances, on est. Écoutez un peu, Golagan, il y a des interférences dans les enceintes. On est à Los Angeles, ville. Et alors? Alors, mon Google Maps me dit qu'il y a 10 mètres entre les enceintes et le court de tennis. Et alors? C'est pourtant simple, il y avait donc des ondes Bluetooth entre le court de tennis et la piscine. Vous comprenez, c'est. Ah oui, si, d'accord, les. Non, j'ai rien compris. C'est une BCP, une bombe à courte portée. La raquette de Exploseman était piégée, elle a été activée via Bluetooth. Explosion. La seule chose que je comprends, mon cher Johnson, c'est que vous êtes complètement taré. Vous êtes complètement con, vous prenez des cours du soir, Golagan. Vous mentez! Non, c'est pas moi! C'est facile d'accuser les autres, Johnson, on va vérifier ça tout de suite. Allô, monsieur, pas moi? Oui. Est-ce que c'est vous? Bah non, c'est pas moi. Vous voyez, c'est pas lui. Mais je crois que c'était pas moi. Bah c'est pas moi, mais c'est pas lui. Bah si c'est pas lui, c'est pas moi non plus. Allô? Écoutez, c'est pas moi, mais c'est pas lui. Donc c'est vous! C'est ça! Oh merde, vous faites chier, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout avait l'air paisible ici, mais en réalité, j'étais en plein milieu d'un plan machiavélique. D'abord, Calv Logo a piégé la raquette de Exploseman, car ce dernier avait tout révélé sur son salaire dans sa dernière vidéo. Il a fait semblant de faire un vlog, mais en réalité, il allait appuyer sur le détonateur via son téléphone portable. Malheureusement, il s'est pris les pieds dans mon câble par inattention. Le voyant tomber, Grosse Bouffe Cuisine a trouvé une bonne opportunité pour se venger de son ancien partenaire en lançant l'allume-feu électrique dans l'eau. Mais le poison qu'il avait absorbé avec les chips s'est alors déclenché et il est mort empoisonné dans la seconde suivante. Comme nous l'avons vu, les chips avaient été piégés par Panzani du 73, son grand rival à la cuisine 10 minutes plus tôt. Et pas de bol pour lui, trop occupé à regarder Grosse Bouffe Cuisine mourir, il s'est pris une balle de tennis enduite de cacahuètes en pleine face. Avec son allergie, il n'avait aucune chance. Finalement, les ondes Bluetooth du détonateur de Calv Logo finissent par arriver sur la raquette piégée de Exploseman. Et c'est comme ça que se sont entretués tous ces youtubeurs. C'est fantastique. Merci, inspecteur. Non, je parlais du caméraman, le travelling circulaire était vraiment sympa. Bravo, mec. Yeah. Bon, Johnson, je vous laisse, j'ai 11 heures de vol et j'ai laissé une pizza au four, faut vraiment que j'y aille. Attendez, inspecteur, il nous reste une dernière énigme. On dit pain au chocolat ou chocolatine? Oh non, non.